Et salut à tous les amis, c'est PFR GamesFR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode Ligue des Masters. Et on a reçu des offres. Marquinhos, on refuse. Et Mbappé, on refuse également. Allez, et là on va jouer. Je vais juste. Allez, ben on va y aller face. Alan avant Guingamp. Alors, l'équipe Pogba, il est un peu carbo. Dark Space. Et ouais, ça, c'est les équipes internationales qui ont fait ça. Et ben voilà, bon, on va y aller comme ça. C'est parti. J'ai augmenté le niveau de difficulté car le dernier match, on l'a gagné 6 à 0. Bienvenue, C'est merci de votre parti. fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre en avant Guingamp. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. C'est parti. J'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi bien sûr. Messi, Neymar, Suarez. Dites-moi, qui sera le clé du le match, contact. Selon vous. Eh bien, Cristiano Ronaldo est sur le terrain, donc je vais aider à Cristiano Ronaldo, bien sûr. C'est sans doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Espérant qu'il fasse le spectacle encore une fois. Allez, attention. Oui, c'est un bon choix, surtout s'il a déjà. Et la bonne récupération de Dani Alves. Dommage, c'est intercepté. Ce ballon bien dosé. Et hors-jeu. Hors-jeu signalé. Ah, dommage, ces ballons dans le dos de la défense, ça peut faire mal. Dani Alves qui cherche la profondeur. Le Paris Saint-Germain, Neymar, a fait Suarez, le plein de jusqu'ici cette saison, Messi, si on oublie ces deux petits matchs nuls. Il cherche à vers Neymar, dommage. Ou Ronaldo, récupère ce ballon. Et non. Ronaldo qui récupère le ballon vers Neymar, bien joué. Non, qui n'appellera pas. Long ballon dans le sens du jeu, ça joue à gauche. Salibur. Longue ouverture en ou attention, le long ballon là-bas sur le côté Coco, droit vers Coco. Et Théo Hernandez qui récupère et qui lance Ronaldo qui sur le côté gauche. Défense du championnat, du moins sur ses 5 dernières journées. Et ce ballon vers ses attaquants, passe interceptée. Suarez, Ronaldo, Neymar, Messi, non. Le gros dégagement. Ah. Suarez qui récupère. Ah non, dommage. Ce ballon vers Neymar qui n'arrivera pas. Messi. Messi dans l'espace. Ah non. Il a réussi à glisser ce ballon dans l'espace. Ce sera trop court. Contré par Hummels se projeter un peu plus pour et être dans la jeu. Récupération et le compte. Messi, il tente de la jouer dans l'espace. Ah non, quelle Messi passe. Suarez bien d'avancer. Présent. Dans la profondeur. C'est une occasion, ça. Oh, et le ballon à côté. C'était bien oh, joué. On a eu chaud. Juste être plus précis. On n'a pas tiré au but encore. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. 0-0, allez, la, pause, la touche pour période, Paris. Un ou deux buts. Zaïd, Dark Space. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris.
Ah oui, c'est bien joué, Bien, le toujours 1-2 0-0 à là. la reprise. Suarez. On attend le premier but. Ah non. Il est en confiance, mais ce n'est pas passé. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Il écarte, il joue sur l'aile. La belle interception. Ah. La tentative. Où est l'arrêt de Lloris? Ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Dark Space. Ouverture lumineuse. Suarez. Il y a de vrais duels. Ah, et cette défense d'arrêt Zaïre. Continue à jouer très très Ronaldo, bas, sans Suarez. On dirait même qu'ils ont Ronaldo. Peur de se faire prendre dans le... Théo Hernandez. Ah, c'est pour ce ballon. Il s'expose à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Oh, voici Neymar. Ça joue pas possible. Vers l'aile. Alors l'avant Guingamp qui a été très critiqué après le dernier match perdu sur une erreur de coaching. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile. Allez. Neymar qui subit un marquage très serré. Ronaldo. Il joue un peu deuxième attaquant en soutien. Ah, le ballon contré, ce sera un corner. Allez, le corner de Dani Alves. Et la touche pour Guingamp. Et la récupération. Famille. Ah non, qui perd ce ballon, attention. Ouh, la frappe et l'arrêt du goal de Lloris. Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque, c'est bien joué. Coco. Le Paris Saint-Germain, il n'a plus que quelques instants pour éviter un nul bien frustrant. Ouf, oui, la faute là. À venir. Et le carton jaune pour Zaïre. Ah, il dirait qu'il s'est blessé sur cette faute. C'est trop long, pas assez précis. Oh non. Ouh. La bonne intervention. Allez, Ronaldo, il faut garder Suarez, ballon, faire tourner, être patient et saisir Ronaldo, sa ah non, ça va être fini, et voilà, le match nul 0-0 entre Paris et Guingamp. On a vu des belles choses dans cette rencontre, il a manqué pas des de cinquième match d'affilée, pas de cinquième victoire d'affilée, mais 0-0 le résumé du match. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? On a 4 points d'avance sur le second. Allez, eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde!